C'est pas une question sur le bouquin, c'est grave? Non, c'est autorisé. Merci. Je sais pas trop comment poser ma question, mais ça fait longtemps maintenant que vous écrivez. Il y a eu une évolution, je pense, de votre style. Et j'aimerais savoir, enfin ma question c'est, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous espérez laisser à votre siècle? Non, je pense, je m'exprime. Je pense que chaque artiste essaye de laisser quelque chose à son siècle. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous, vous espérez laisser à votre siècle. Je ne sais pas si on se pose la question comme ça, parce que ce serait un peu paralysant de se poser la question comme ça. Mais vous avez raison, enfin, sur un point, il y a d'ailleurs un moment dans le livre où Una et Jerry discutent et il dit « je voudrais avoir la cruauté de Jeanne O'Neill et la légèreté de Fitzgerald et avoir en même temps la concision d'Hemingway et écrire d'une manière aussi sarcastique que Dorothy Parker ». Il dit tout ça et Una l'interrompt et dit « dis donc, tu te prends pas pour de la merde ». Et il répond, bah oui, si on écrit des livres, on est un peu obligé d'être prétentieux. Il dit quelque chose comme ça. Il faut choisir un autre métier qu'écrivain si on n'est pas prétentieux. Et donc, vous avez, pour vous répondre, vous avez pas tort. On peut pas être faire ce métier-là sans se demander qu'est-ce qu'on va laisser. Alors, pour vous répondre autrement, j'étais très honoré parce que j'ai fait mon entrée dans le dictionnaire, figurez-vous. Donc, je suis dans le petit Robert. C'est pas mal. Hein. Et alors, c'est pour vous répondre. Alors, eux, donc, c'est marrant de voir ce qu'ils disent. Ils disent, il a, avec un style ironique, décrit les travers de son époque. Bon. C'est pas mal, ça, déjà, si j'ai laissé ça. C'était votre but ? Si jamais avec 99 francs ou avec Au secours pardon, L'égoïste romantique ou autre, j'ai fait un portrait de mon époque d'une manière ironique, comme ce qu'ils disent dans le dictionnaire, hein, excusez-moi. C'est bien pratique. Ça veut dire que j'ai fait ce travail-là, j'ai fait un travail un peu de satiriste, un peu de caricaturiste de mon temps sur différents aspects, la drogue, les prostituées, la publicité, les mannequins russes. Et voilà, alors là maintenant c'est vrai que depuis deux livres j'ai un peu arrêté de faire ce travail-là, donc du coup je sais pas ce qui restera de ces livres-là, peut-être un portrait de la vision d'un homme du 21e siècle sur le siècle précédent, peut-être. C'est peut-être ça que je suis en train de faire. Non ? Le regard du 21e sur le 20e. C'était ce que je voulais savoir. Merci.